Hello YouTube, Eric Le Goût chez Galago Musique. Alors pour vous aujourd'hui, un tuto un petit peu défi, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à le terminer avant que la marée me monte dessus. Voilà, et avant que les crampes aussi ne m'arrêtent. Donc, un super beau morceau de Ben Harper que vous trouvez sur son album Diamonds on the Inside. Je crois que c'est ça, avec la super belle pochette là que je trouve super stylée. C'est un morceau dans lequel il y a 2, 4, 6, il y a 7 accords, il y a un seul barré et une seule rythmique également à la main droite qui durera tout le long du morceau. Donc vraiment, si voilà, c'est le genre de morceau qu'il faut connaître à mon avis si vous voulez poser des petites ambiances comme ça, vraiment sympa. Allez, on attaque direct parce que la marée n'attend pas. Alors les accords, on a du Ré majeur, c'est un morceau en Ré majeur. Donc petit triangle, hein, deuxième case du petit Mi, troisième case du Si, deuxième case de la corde de Sol, vous bloquez le gros Mi avec le pouce, vous grattez tout. Ensuite on aura un accord de Mi mineur 7, Mi mineur 7, vous rajouterez le petit doigt. Troisième case de la corde de Mi, le majeur ne servira plus à rien, et vous déplacerez index et majeur en deuxième case du La, deuxième case du Ré pour avoir donc le Mi mineur 7. Voilà, très joli. Ensuite le Sol majeur fastoche, vous soulevez le majeur, donc lui, l'index se rapproche un petit peu de la frette, et le majeur donc appuie troisième case du gros Mi. Donc, petit détail, hein, si vous voulez que vos accords sonnent bien, toujours vos doigts le plus proche des frettes, d'accord? Si vous êtes en troisième case, le plus proche de la frette qui mène en quatrième case. Comme ça, vous n'aurez pas de son qui frise. Ensuite, on a un accord de La majeur que vous pouvez faire comme ça, soit 2, 2, 2. C'est sous cette forme-là, vous bloquez le gros Mi. Soit comme ça, à mon avis, Ben Harper, il le fait comme ça. Je suis même quasiment sûr parce que avec cette petite barrette, il appuie complètement. Il y a même des moments donnés où on entend ce fa dièse de l'aigu. Voilà, donc si vous voulez faire comme lui, vous appuyez fort pour entendre tout. Soit vous mettez le doigt un petit peu sur la gauche, comme ça on n'entend pas le petit Mi. Voilà, ça peut être un peu encombrant d'avoir ce fa dièse tout le temps. Bref, le La majeur comme ça. Ensuite nous aurons du Ré septième. Donc c'est comme un Ré majeur mais en miroir, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la pointe du triangle ici, on l'aura là-haut. La base restera la même. Deuxième case du petit Mi, deuxième case du Sol et première case du Si. Le pouce par-dessus le gros Mi. Voilà, Ré septième. Ensuite, nous aurons du Si mineur. Le voilà notre barré. Vous barrez la deuxième case. Vous rapprochez le plus possible votre index de la frette qui mène à la troisième. Avec les doigts restants, vous faites troisième case du Si. Il y a plein de mouettes. Quatrième case de la corde de Sol. Quatrième case de la corde de Ré. Voilà, de Si mineur, de bonne famille. Et nous finirons par un accord de Do majeur. Voilà, troisième case du La, deuxième case du Ré, Sol à vide, première case du Si, le petit Mi à vide et le pouce par-dessus le gros Mi. Voilà. Tatar, la guitare est vraiment très fatiguée. J'arrive plus du tout à l'accorder correctement. En plus, il y a le chevalet qui est en train de s'arracher à moitié. Enfin bref, c'est l'enfer. En tous les cas, on continue. Alors, je vous propose d'attaquer d'abord la main droite, comme ça, après, on n'aura plus qu'à caler les accords dessus. Donc, la main droite, elle se joue pas trop au médiator, à mon avis, il doit le faire au pouce. Souvent, il joue au doigt, de toute façon, Ben Harper. La rythmique, première version de la rythmique, c'est ça. C'est bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Si vous suivez les cours Galago ou même les autres cours, vous connaissez un petit peu les rythmiques de main droite, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais il y aura une petite astuce là-dedans. Bref, pour l'instant, vous faites bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Donc uniquement avec le pouce, je remonte avec l'ongle. Donc, si vous n'avez pas d'ongle, vous remontez quand même. Hein. Donc bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Je sens que c'est frisqué, là, il y a du vent. J'espère qu'on n'entend pas trop non plus dans le micro. Bon, bas, c'est faire les trucs en plein air, ça. Hein. On ne sait jamais comment ça va se passer. Peut-être que je vais me faire déborder par la marée, qui sait, on ne sait pas. Bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Ok, il y a les enfants qui jouent, ils doivent avoir froid dans la flotte, là, putain. On est en Normandie, hein. Bon, alors, la petite astuce pour compléter la rythmique, vous prenez un accord de Ré. Au lieu de gratter le premier coup toutes les cordes, il faudra choper systématiquement sur chacun des accords la note fondamentale. Si on est sur un accord de Ré majeur, la note fondamentale, c'est le Ré. Donc, la rythmique, au lieu de faire bas, bas, haut, bas, 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 haut, les mouvements seront les mêmes, mais la première note, on chopera que la basse. Donc, bas, 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 haut,
haut, et ce bas là pareil, on regrattera la note fondamentale. Donc bas, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut, bas, raté, bas. Je vais dire basse quand c'est la basse. Basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Donc il faut bien viser quand vous chopez la fondamentale. Quand on aura l'accord de mi mineur, on chopera la basse mi, ce qui donnera basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. D'accord ? Vous refaites une dernière fois, pas vite, sur n'importe lequel, sur le sol majeur, par exemple. Basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, ok ? Si vous avez ça, vous avez quasiment tout. Maintenant, je vous montre l'ordre dans lequel on va trouver la partie A, le couplet, et la partie B, le refrain. Alors, la partie A, on a l'accord de Ré majeur pendant deux mesures. Basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Deuxième mesure. Bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Ensuite, Mi mineur 7, deux mesures. Basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Deuxième mesure. Basse, bas, ensuite sol, une mesure, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Ensuite la majeure, basse là donc, basse, bas, haut, haut, bas, 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 haut. Et deux mesures de Ré majeur, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Ce que vous pouvez faire pour changer plus rapidement les accords, sur le dernier retour de chaque rythmique, vous levez tous les doigts. Sauf si on a en commun. Par exemple, entre le Ré et le Mi mineur 7, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Là, je vais rajouter le petit doigt, comme ça, j'aurais plus qu'à bouger ces deux-là. Il y a un vent de dingue, j'espère qu'on l'entend pas trop sur le truc, sinon ça va tout ruiner. Tout ruiner. Je le remonte. Voilà. Mi mineur 7. Quand vous faites de Mi mineur 7 à Sol, c'est pareil, on a trois doigts en commun. Donc, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. Là, j'enlève celui-là. Comme ça, je suis sûr d'atterrir au bon moment ici. Entre là et le Ré, là, on n'a pas de doigt en commun. Donc, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut. J'enlève tout. Et je rattaque. Basse Ré pour revenir au début. D'accord ? Donc, le couplet, deux mesures de Ré, deux mesures de Mi mineur 7, une mesure de Sol, une mesure de La, deux mesures de Ré. Ensuite, on refait ce couplet avec donc une petite particularité à la fin, donc partie A', on refait pareil. Deux mesures de Ré, deux mesures de Mi mineur 7, une mesure de Sol, une mesure de La, une mesure de Ré, en Sol cette fois-ci, suivie d'une mesure de Ré 7. Ce Ré 7e va nous introduire la partie du refrain, la partie B. La partie B, la voilà. Nous avons une mesure de Sol majeur. Basse, bas, haut, basse, bas. Bas, hop, une mesure de La, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, hop, j'enlève tout, Si mineur, une mesure complète, basse, bas, haut, haut, basse, bas, bas, haut, et là on a une mesure qui fait, où il y a deux accords dans la même, on commence par le Si mineur, basse, bas, bas, comment ça fait, basse, bas, bas. On va enchaîner le Si mineur et le... Je suis un peu stressé. Oh, la flotte, elle monte à mort. Alors, je recommence, je continue, je ne me déconcentre pas. La mesure de Si mineur est là. Bas, 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 bas. Je refais ça. Basse. Bas, 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 bas. D'accord, donc ça change un peu, ça fait ça. La rythmique main droite toute seule. Basse, bas. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut. D'accord ? La basse du Si mineur. Basse, gratte, 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 la, gratte, gratte. Ensuite, on retrouve le truc normal. Une mesure de Sol majeur. Basse, bas, bas, haut.
Hop, le La majeur, une mesure. Passe, pas, haut, haut, passe, pas, pas, haut. Et le petit changement qui est trop joli, il balance le Do majeur. Et là, il va faire le Do basse. Passe, plutôt, ouais. Pas, 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 tin, tin. Qui ressemble un peu à No Woman, No Cry à la fin. Passe, pas, 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 pas. Il fait Do, troisième case du La, Si, deuxième case du La, le La vide. Et il atterrit sur le Sol, qui est anticipé comme ça sur la mesure d'après, sur laquelle on attendra. Passe, pas, 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 pas. Et il reprend du début. Voilà. Alors, vous pouvez trouver, à présent c'est une nouveauté un petit peu 2013, rentrée 2013 de chez Galago, vous pouvez télécharger la partoche que j'écris moi-même à la main, donc j'espère que vous arriverez à vous y retrouver, exprès pour que comme ça la vidéo soit complémentaire d'une partition. Ça m'évite d'avoir à faire trop de boulot sur d'incrustation et de tout ça. À mon avis, c'est vraiment une idée qui va me simplifier la vie, qui me permettra de vous fournir du travail de meilleure qualité. Je vais moins m'énerver dessus, sauf quand il y a la mer qui est en train de bientôt me déborder et les crampes qui m'empêchent de me tenir normalement. Bref, vous les trouverez pour l'instant dans la boîte de description YouTube. Après, vous les trouverez uniquement sur le site galagomusic.com une fois que la nouvelle version sera en ligne à partir de la fin septembre 2013 ou tout au plus début octobre 2013. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.